Yo, c'est Buryday, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stray, c'est la 7ème vidéo. Et on avait enfin réussi à grimper en haut. Oui, ce qui se passe avec l'ascenseur. Il est bugué, quoi. On avait enfin réussi à grimper en haut de la tour pour mettre donc pour émettre cette radio, enfin pour la mettre simplement, enfin bref. Et du coup, on a appris que, enfin, le robot a retrouvé des souvenirs et il a appris que c'était en fait un. Là, je peux pas l'utiliser. Hein. Qu'en fait, on était enfermé dans un grand truc. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Comme une arène, quoi. Et enfermé, quoi. Donc ça, c'est pas des étoiles, c'est des lumières, les lumières du toit, en fait. Et on voit donc derrière les portes, enfin les portes, c'est plus des portes, c'est des murs, hein, littéralement. Bref, du coup nous on va redescendre et on va aller voir Momo. Voir ce qu'il a à nous dire maintenant. Les taudis, partie 2. Où est notre ami? Oula, j'ai un lag là. Notre ami Momo. Momonosuke. Il dort? Ah, il est peut-être descendu en ville, hein. Qui sait? Ah, une note. Les notes de Momo. Petit extériorisme, si tu lis ça, c'est que tu es encore en vie. Excellent. J'ai emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens m'y retrouver. J'ai bloqué la fenêtre. Mais le code pour l'ouvrir est assez simple. C'est. Il est sérieux, lui? Attention, il est sensible à la casse. On se retrouve au bar, Momo. Super! Ça va être le code pour la fenêtre à côté de l'entrée. Allons-y. Ouais, c'est bon, j'ai un robot avec moi. Il retient. Il retient le mot de passe. C'est quoi? C'est les mots de passe faciles après 2150, c'est ça? La vache. Le verrou de la fenêtre, le code c'était. Je crois que c'était un H. De touche. Mince, c'est faux. Ok, on recommence. Et après, c'était un O ou un 0. Voyons ça. Validation. Ça va marcher. Momo nous attend au bar. Ok. Allez, go. Here we go. Ah oui, on va faire du basket? Mais non. Attends, s'il y a un banc de basket, c'est qu'on peut faire du basket. Il y a un panier de basket, je veux dire. C'est obligé. Oh, oh le plat, il était. Celui-là, il était à plat. Hein. Vraiment. Il était à plat de chez à plat. Hein. Et la boule de poil. Allez voir, j'ai réussi à capter un signal. Ok, on va voir ça. Salut. Hey Billy, tu veux quelque chose? Il paraît que le trucker cherche ce genre de choses. Ok. Ok. Oui, j'arrive. Hop, voilà, j'attends. Voyons si je peux faire marcher ce truc-là.
What? J'ai failli l'avoir. Allô, quelqu'un m'entend? Allô, oui, on t'entend, on vient des taudis. On cherche une sortie et... Attends, c'est toi ce Balthazar? Momo? C'est incroyable, je suis trop content d'entendre le son de ta voix, Balthazar. Où es-tu? Les autres vont bien? Oui. On va bien, on a trouvé comment monter. Allô, tu m'entends toujours? Faut passer par les égouts pour nous retrouver. Très dangereux, Zerg partout. Les égouts, comment ça? Allô? Sans ça, on a perdu le signal. Ah ouais, mais si tu fais ça. J'y crois pas, ce Balthazar est en vie avec les autres extérioristes. Ils ont réussi à remonter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des taudis, mais si ce Balthazar l'a fait, il doit y avoir un moyen. Il se réveille. Simus, vous ne passerez jamais par les égouts, c'est infesté de Zurk. Il ne ferait qu'une bouchée de vous, et surtout de toi, mon petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance, ça finit toujours mal. Enfin, je vous aurais prévenu, et puis, c'est pas mes oignons. Simus, son père, Doc, était un grand scientifique. Il travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les orques. Il y a quelques années, il est allé tester ses appareils et n'est jamais revenu. Depuis, Simus n'a plus jamais été le même. Tu m'étonnes. N'écoute pas Simus. Il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les extérioristes. Dans son carnet, Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il l'a conçu. Où il l'a conçu. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Simus. Allez, suis-moi. Ok. Let's go! Là. Non, pas les sacs en papier. Je dois encore nettoyer l'entrée de ma boutique. Arrête de jouer dessus de ma boutique, espèce de petit vaurien. Allez, Simus, ouvre la porte. Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides. Ah, il fallait s'y attendre. Ce n'est pas facile pour Simus. Il ne veut plus entendre parler des terroristes. Il ne m'aidera pas, ni toi. Je crois que j'ai une idée. Oui, je vais monter, trouver une entrée, machin. Je vais monter par là, par exemple. Non? Oh. Oh! Tiens, prends le carnet de Doc et va le montrer à Simus. Avec toutes les informations qu'il contient, espérant que ça provoque un électrochoc. Trouve le labo secret de type terroriste. Je retourne au bar pour tenter de rétablir le contact avec les autres. Ok, c'est parti pour le labo secret.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit. Passer par les égouts, une mission suicide, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est celui de mon père? Oh, wow, j'en savais rien. Il y a une pièce secrète dans notre appart, mais où ça? Ah merde! Alors on va trouver ça tout de suite. Bah! Du premier coup, t'es rien. Je suis fort quand même. Mais juste pour le fun, je vais enlever tous les cadres en fait. Oh! Ah bah! Le temps est la clé. Oh bah, il fallait quand même que je fasse ça de toute façon. Le temps est la clé? What the fuck? J'avais jamais remarqué ce digicode. Comment ai-je pu passer à côté? J'ignore le mot de passe. Le temps. Attends. Le temps est la clé. Le temps est la clé. Attends, ça a à voir avec ça ou quoi? Deux, cinq, un, un? Non, c'est pas ça quand même. Deux, cinq, un, un. Putain, c'est ça. Oh là là. Mon dieu. Oups, perdu. Labo secret. Oh. Observation. Je le bruit, mais jamais gentil. Mange toutes sortes de matières, totalement nictalop. Non. Nictalop. Nictalop. Je sais pas. Ok. Sensible à la lumière vive. Voilà la solution. Passer dans les égouts. Je n'avais jamais vu cette pièce. Je trouve incroyable qu'il soit parvenu à me dissuader tout ce temps. Ses plans, c'est sans doute pour son arme pathologique. Papa ne révélait jamais rien de ses travaux. Il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie, mais qu'il avait besoin d'un test dans la vraie vie. Il est sorti des taudis pour ne jamais revenir. Ah mon dieu. Info robot news. Zurk officiellement hors de contrôle. Ils se mettent à manger le métal. Hein? Plan de Defuxor. Concept. J'ai pas le temps de dire. Concept. Pistolet à base de lumière. Priorité faible. Apparence visuelle. Taille. Décibel émis. Priorité élevée. Test en conditions réelles. Objectif. 20 zurks détruits par seconde. Ouf, shit. Je trouve des trucs intéressants ici. Rien de space pour l'instant. Peut-être là. Ah là. Y'a rien quoi. Sérieux là.
Rien de spécial dans ce bordel. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Non, pour l'instant, j'ai rien trouvé. Il faut absolument trouver un truc, mais quoi? Il y a plein de durs qu'on fait, c'est incroyable. Je pensais qu'il y avait quelque chose, mais il n'y a rien. À moins que j'ai mal vu. C'est quoi ça? Ça dit rien. Ah là-haut. Bon, je sais pour grimper là-haut. Ah voilà. C'est moi ou quoi? Et voilà le travail. Prendre traceur cassé. Tu vois, je trouve un truc. Je trouve un truc. Pourtant, je me souviens de ça, c'est son traceur. Après, ça servait censé être de ce traceur pour me surveiller. On pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il est allé. J'arrive pas à croire que papa soit encore en vie, il me manque tellement. Il te faut une arme contre les Urks, pas vrai? Mon père en a pris une avec lui, c'est certain. On doit juste réparer le traceur pour le retrouver. On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis. Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Oh. Oh. Oui, il a l'air content. Faire réparer ce traceur. Un vieux comme tu es, tu trouveras quelqu'un pour t'aider dans les taudis. Ouais, ben on verra ça. Bon, ouais, c'est cool, on a encore un petit peu avancé. Un petit peu plus que d'habitude. Enfin, du moins, on avance, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, j'ai déjà lu ça. On va s'arrêter là pour cette 7e vidéo et on se retrouvera très prochainement pour la suite. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!